Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fafa sur Ivoire TV, l'émission, la chaîne de télé qui vous distille que des bonnes choses, qui aussi passe son temps à véritablement détailler tout ce qui est people, buzz, actualité. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge De Fally. Sans oublier mon binôme de tous les jours, l'homme aux questions tonitruantes, Anaconda. Yes. Alors, dames et messieurs, pour cette émission, pour ce numéro spécial, nous recevons quelqu'un qui a fait les beaux jours à un moment donné dans le mouvement coupé-décalé. Dans les années 2006, il démarre sa carrière comme un sosie. Celui-là même, dans ses débuts, qui parlait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de paroles, et quelqu'un qui était fougueux dans le temps, bon, qui était mon pote aussi. Il a sorti des tubes, des hits. Il a fait beaucoup parler de lui dans la presse people, partout. Beaucoup de voyages dans la sous-région et tout. Et aujourd'hui, il nous revient encore avec un titre. Et ce titre-là, bien chanté, avec une diction, même moi étonné quand j'ai écouté, intitulé L'Homme Fort. Dames et messieurs, recevez Saga Junior, désormais Saga la légende. Alors, Saga Junior, comment tu vas? Ouais, ça va super bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Alors sinon, comment se comporte ton nouveau titre L'Homme Fort sur le marché? Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure dans les coulisses, c'est sorti il y a un bon bout de temps. Et puis bon, voilà, la promo s'est fait doucement, doucement. Ok. Ah, c'est bon, Dieu merci. Bon, j'ai fait un constat hein, quand j'étais avec Anaconda, lors de la séance d'écoute, quand tu as mis la chanson à Ivoire TV. J'ai dit à Anaconda comme ça, mais Saga Junior en train de chanter. Ben, est-ce que tu as pris des cours de chant parce que je vois des mélodies, des choses comme ça? Non, mais tu sais, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est en travaillant qu'on devient plus fort. Donc, du coup, comme je t'ai dit que j'étais en train de sortir de l'image de Doug Saga, que je ne voulais plus qu'on m'appelle Doug Saga Junior, que maintenant c'est la légende. Donc, il fallait que je montre une autre image avec la nouvelle appellation que je porte maintenant. Tu comprends? Donc, quoi donner aux fans et aux mélomanes? C'est chanter normalement pour dire que je suis un artiste complet. Voilà. Mais tu commences ta carrière en tant que sosie. Je vous dirais même que, bon, je me souviens, tu commences en tant que sosie de Doug Saga. Tu sors, tout le public te reconnaît en tant que tel. Tu ne trouves pas que peut-être cette transition peut te... Non, non, tu ne penses pas? Non, mais tu sais que... quand même, depuis le 2006 jusqu'à maintenant, je me dis que quelque part, il fallait que je montre ma propre identité aux gens. Voilà, parce que je me suis dit, j'ai tout donné pour Saga, parce que c'est lui qui m'a permis d'être là où je suis. Ça, il ne faut pas qu'on le nie. Voilà, c'est lui qui m'a permis d'être là où je suis et j'ai fait ma partition. Mais tant qu'on aura besoin de moi pour son œuvre, pour le représenter, pour faire encore les aïe aïe aïe, je serai toujours présent. Mais sauf que je suis maintenant un artiste à part entière. Voilà, mais plus dans les histoires de sosie et autres là. D'accord, donc tu veux en fait affirmer absolument personnellement. Voilà, c'est ça. Ok, on te comprend bien. Mais le combat, mais c'est pas facile, on va lui aller. Ah, ok. Bon, Anaconda, voilà, le petit coup est planté. Ouais, bah. Merci encore De Fally, merci à Saga d'être là. Merci. Et une fois de plus encore, merci à Kenzo Cashmoney qui est un peu souffrant il y a une semaine. Ouais, j'espère qu'il souhaite une bonne guérison. J'espère qu'il va toujours bien. Ouais. Kenzo Cashmoney que tu connais. Ouais. Le Cashmoney Kenzo. De Saga Junior, tu deviens la légende. C'est quoi la différence? Bon, de Saga Junior, je deviens la légende. La différence, c'est que je ne suis plus Saga, je suis la légende. Voilà. Donc, c'est un petit carnaval, un passage obligé. Et c'est moi-même qui ai décidé de changer de nom. Ah, donc, voilà. À t'entendre parler, tu as un bon niveau d'études. Tu as un bon langage. Tu as quel niveau? BTS, non, BAC? Terminal. Terminal? Même pas le BAC? Pas... Non, non, j'ai pas le BAC. Mais niveau terminal. Niveau terminal. D'accord. Waouh. Quels sont les coups durs que toi tu as rencontrés avec les membres de la Jet Set? Parce que toi à ton époque c'était pas les DJ, c'était la Jet Set, n'est-ce pas? Justement. Les coups durs t'as rencontré les membres de la Jet Set. Quand tu parles de coups durs, tu veux dire quoi par là? La jalousie quand tu étais auprès de la Jet Set, tes débuts. La jalousie, ceux qui te repoussaient, tel que bon moi c'était quelques membres de la Jet Set. Il y a De Fally même qui est là, il y a Mola, il y a Boro, peu à son âme, Doug Saga, Lino Versace. Tu n'as pas eu de problème, de difficultés, de coups durs? Non, je n'ai pas été repoussé par qui que ce soit. J'ai été plutôt accepté parce que les gens voyaient en moi, comment on appelle, le personnage amical qu'ils ont perdu il y a quelques instants, tu comprends un peu. Donc le fait que je vienne, comme ça, ça allait rappeler. Moi, je m'appelle très bien quand je prenais les micros dans les nights et tout, et notre ami personnel, Kyo Junior, il pleurait. Borosandi, il pleurait, tu comprends. Donc ma voix avec eux, ça les faisait quand même un peu oublier. Donc dans ton parcours avec tout cela, tu n'as pas eu de coup dur, hein?
Tout s'est passé normalement. Non, tout s'est passé normalement. Le seul gars qui j'ai eu plusieurs guéguerres, c'était Moula. Ça, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Tu es devenu ton patron aujourd'hui? Mon patron? Ouais. C'est le boss du coupé décalé, non? C'est le boss du coupé décalé. Toi, oui, tu fais coupé décalé. C'est ça qui est coupé décalé là. Chacun se donne son appellation, chacun se donne ce qu'il veut. Donc, lui, le boss du coupé décalé, moi, il fait coupé décalé, mais moi, il n'est pas mon boss. Ah, mais parlant des postes de Falais, là, on a reçu Eliouk ici qui a dit que le président du coupé décalé est défilé là. Même c'est rallié. Eliouk, c'est son truc. C'est-à-dire que chaque artiste a son truc dans la tête qu'il se forge et qu'il mûrit, qu'il donne aux gens. Vous comprenez? Il a son délire. Moi, où je suis assis là, encore en 2021, là, il y a une personne à faire des présidents de coupé décalé. Moi, ça m'intéresse. Parce que Défalé n'était pas content. Hein? Eliouk a dit que tu t'es rallié. moi j'étais étonné plutôt. C'est ce qu'il peut dire. En fait, moi, je suis dans un autre truc. Donc, je sais pas. Lui, il est dans son truc. Lui, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, s'il pense que ça peut lui permettre d'avoir une place, mais tant mieux. Voilà. C'est un peu difficile, cette histoire de couper des câlins. Hein. Même le frère Ariel Chénon l'a reçu ici. Il a dit qu'il est le messie de la musique ivoirienne. Voilà, donc quelqu'un dit le messie de la musique ivoirienne, tout le monde dépend de lui. C'est-à-dire, toi, mais avant de chanter, tu dois dépendre de lui aussi. Non. Moi, je ne fais pas. En fait, il faut que les gens comprennent. On ne fait pas la musique par rapport à quelqu'un. Mm-hmm. On ne fait pas la musique par rapport à son collègue. Mais si tu fais la musique par rapport à tes collègues, c'est le cas de tes collègues qui a pris ton cachet pour t'éviter quelque part. Non, il faut faire la musique pour deux personnes, pour les mélomanes. Toi, tu fais ton travail d'artiste. Lui, il fait son travail d'artiste. Moi, je fais le mien. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on va ce truc? Non, on est ensemble. C'est dans la même cuvette que nous sommes. Donc, moi, franchement, c'est petit esprit de dire non, que je suis venu pour coloniser, je suis venu pour diriger, mon cher. Non, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Mais c'est l'esprit du coupé des calas à la base. Oui, c'est l'esprit du coupé des calas à la base. Mais il faut qu'on arrête ça. Voilà, il faut qu'on arrête ça parce que c'est ce qui a créé. Tout ce qui est aujourd'hui, on parle à faire de, comment on appelle, on ne se soutient pas, l'autre a envie d'être sur la tête de l'autre, à faire de leadership, c'est tout ça là, tout cet esprit négatif là. Tu vois, c'est pas intéressant. Tu travailles. C'est le public seul qui pourra te juger. Tu vas te mettre, tu dis, okay, toi, on te veut à telle place. Voilà. Quand moi, je suis venu de mon gagnant natal, quand je parlais, c'est les gens qui ont dit, non, toi, on va t'appeler Doussaga Junior, parce que tu es comme Doussaga. Je ne suis pas venu, maintenant que moi je m'appelle. Non, je n'ai rien réclamé, c'est venu, ce n'est pas mon travail. Tu comprends un peu? Donc je dis, il faut qu'on travaille. Waouh! Voilà, il faut qu'on travaille. D'accord. Nous, on est situé qu'à lui qui n'est pas présent de coupé décalé, c'est une manière de parler. Moi, le Mola, le boss de coupé décalé, c'est une manière de parler aussi justement. Dans ce que tu es en train de lui dire en ce moment. Justement. Sinon, à lui qui n'est pas présent de coupé décalé, moi, il n'est pas le boss de coupé décalé. Je te demande. Je t'ai déjà dit que chacun se met dans ce qu'il a envie de se mettre. Moula dit qu'il est le boss du coupé décalé. Bon, il regarde son parcours en tant qu'ancien du mouvement, en tant qu'initiateur, concepteur et tout. Quand il regarde, il dit, bon, avec tous ceux qui ont pu venir dans le mouvement par eux, leur pure grâce, bon, vous êtes, les enfants, vous êtes, je suis votre patron, je suis le boss. C'est une appellation qui se donne et tout. En même temps, c'est de la contenance. Et ça lui va bien. Ouais. Tu comprends un peu? Donc, voilà. Il y a eu un moment, tu as fait 5 ans de silence. On ne t'entendait plus. 5 ans. 5 ans de silence, tu ne chantais plus, on ne te voyait plus. Tu manquais d'inspiration ou mais tu voulais abandonner carrément? Non, je ne voulais pas abandonner, je ne manquais pas d'inspiration. Mais 5 ans de silence n'étaient pas les 5 ans de silence en tant que tel. J'étais toujours dans le milieu coupé décalé, j'étais toujours avec les acteurs du coupé décalé, j'étais dans les nightclubs que je gérais et tout. Donc j'avais le contact physique dans le mouvement, sauf que je n'entrais pas en studio pour faire des trucs. Bon, j'ai fait un type, 2 types vite fait, que je n'ai pas balancé, médiatisé en tant que tel, pour garder toujours la main. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon 5 ans de silence là, c'est vrai que c'est un second de silence, mais ce n'était pas officiel pour dire que je n'ai jamais rien fait dans ce temps-là. Ah, tout le monde sait qu'en 5 ans, tu n'as rien fait, c'est ce que les gens se disent. Oui, c'est justement ce que tu fais comprendre, que c'est le truc que j'ai fait, que je n'ai pas médiatisé. Tu n'as pas confiance? Non, pourquoi? Tu peux faire un truc même sur lequel tu ne comptes même pas, et puis ça prend. Ouais, c'est ça le coupé décalé, ouais. Oui, il fallait. Oui, après, je constate qu'effectivement, Saga Junior avait fait 5 ans de silence. À un moment, il était en hibernation. Voilà, bon. Je pense qu'il a fini d'hiberner, il est revenu aujourd'hui sur le plateau, il dit qu'il a changé de nom. Donc ça doit faire partie de son hibernation. Justement. Voilà, justement. Parce qu'au début, c'était donné pour mission de préciser une œuvre. Voilà. Aujourd'hui, il décide de préciser sa carrière. C'est ça. Bon, voilà. Donc tout compris. Donc, Saga Junior. Bon, donc, si tu décides de préciser ta carrière. Il faut m'appeler la légende maintenant. Ah, ouais, pardon. Parce que j'ai oublié qu'il a changé de nom. C'est vrai, pardon. Donc, mais c'est Saga la légende. Voilà. Donc, Anaconda, Saga, la légende. Après, Saga va quitter. Saga, c'est seul, la légende. Bah donc, commençons à la légende. On va progressivement. Mais si tu veux, moi, donc, que tu appelles la légende. Un coup. Voilà. Bon, ok. Donc, la légende. Dis-nous. Au jour d'aujourd'hui, hein, tu vois,
on regarde ce qui se passe un peu dans le coupé décalé. Justement. Tu t'étais donné pour mission de pérenniser l'œuvre de Duxaga. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Ce que je pense de la nouvelle génération, c'est... D'abord, ils ont apporté un plus au mouvement. Sauf que ça ne rentre pas forcément dans nous, notre manière de voir les choses en tant que jet-setter. Et ce qu'ils ont apporté, c'est vrai que ça a propulsé le mouvement et tout et tout. Ils ont changé carrément les dons. Surtout la manière de danser et tout et tout. Donc voilà, moi je ne peux que les féliciter parce que ça aujourd'hui leur permet de gagner leur vie. Donc voilà, ils ont apporté, comment on appelle, leur pied à l'édifice, leur petit grain de sel et tout et tout. Donc ça continue. On essaie de s'adapter. Et quel est ton rapport avec eux? Oui, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec eux en particulier. En particulier, voilà, tout je suis le grand frère, quand on me voit, le respect qu'on me doit, on me le donne, quoi. Voilà. Ok. Mm-hmm. D'accord. Je pense que c'est bon. D'accord. Alors, Saga Junior, et la vie sentimentale? La légende, oui. La vie sentimentale. La vie sentimentale. On a fini ma carrière, même ma vie sentimentale. Bon, on parle de ta vie sentimentale, on parle un peu de ta carrière, c'est une causerie, on parle un peu de tout. On veut savoir un peu. D'accord. Parce qu'il faut que tu actualises un peu les choses. Bon, 5 ans d'hibernation, mm-hmm. changement de nom. Mm-hmm. Bon, donc on doit voir clé dans la nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est? Je te coupe pas la parole, mais en dehors de ça, tu as passé un an au Bénin où tu as dit même que tu vivais comme un roi. Oui. Ta vie comme un roi au Bénin, là, ça s'est passé comment? Bah, j'étais tranquille. J'avais mon appartement, j'avais mes voitures, j'avais une boîte de nuit que je gérais. Donc voilà, je n'avais pas de problème. Tu as laissé tout ça, tu es revenu au pays? Oui, mais à un moment, il faut revenir au pays. Gotha l'Allemand a dit, vous direz, on ne va pas revenir un peu au pays. Donc toi, la vie de roi, là, ça va pas être toi? Pourquoi? Parce que tout le monde aspire à une vie de roi. La bienséance, les bonnes choses, tu vois, mais toi, oui, tu as eu ça au Bénin pendant un an. C'est mieux que c'est comme mieux. Tu étais dans un zamou là-bas. C'est mieux d'avoir une vie de roi chez soi. Chez soi. Voilà. Mmh. Bon, comme ça n'a pas duré. Bon, il se dit une vie de roi dans un pays où tu as une vie de roi, normalement, tu restes là-bas. Voilà, normalement, tu restes là-bas, mais quand tu as envie d'aller chez toi, tu fais comment? Tu viens et puis tu t'en vas. Non, mais attends. Actuellement, si j'ai envie d'aller au Bénin, je me lève, je m'en vais. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais cette vie de roi là, qui gérait ça? Tu sortais avec quelqu'un là-bas? Non, c'est mon parrain, l'un de mes parrains. Au Bénin, Makitougan, que Défalé connaît très bien. Voilà, c'est un homme très fort, que je salue au passage. Salut aussi. Défalé, tu sais que c'est très rare dans le coupé décalé de refuser 30 millions. Lui, il a refusé 30 millions au Niger ou au Tchad. Au Tchad, quelqu'un qui voulait coucher, lui, il a dit non, c'est rare dans le coupé décalé. C'est ça, non? C'est à vous deux. Vous faites coupé décalé, non? Nous, comment nous deux? Comment ça s'est passé, cette histoire de 30 millions? Le gars t'a proposé 30 millions pour coucher, toi, tu as dit non. Hein? Oui, en fait, c'est comment on appelle, c'est l'un des tournois de ma vie, bon, auquel je m'attendais le moins. Voilà, parce que je me suis dit, le show business n'est pas forcément lié à ça. Tu comprends? Moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui te voit, ton ami garçon qui te voit, qui te propose ce genre de montant, et qui veut coucher avec toi, c'est parce qu'il sait que cette somme-là, tu peux attraper ça. Mais c'est simple, il faut travailler pour avoir son argent. Pourquoi se donner à ce genre de pratique ou truc? Attends, si moi j'avais commencé avec ça, je ne serais pas assis ici. Franchement, parce que j'allais faire ça bien. Tu vois un peu, non? Il ne faut pas faire les choses et puis après, tu vas, on te voit plus. On t'a entendu parler, on dit non, tu es un PD, puis tu es PD, tu es confirmé, tu es PD dans la BGC, on sait que tu es PD. Tu as fait les beaux jours, puis après, tu disparais. Puis tu es l'homme de toi-même. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et moi, en tant que bon petit gourou, qui a grandi à Gagnoua, je ne peux pas être PD, ce n'est pas possible. Donc, quel que soit le montant. Mais pourtant, il paraît qu'il y a des gens dans le coupé de Calais qui n'ont pas refusé ça. Oui, mais ça, c'est eux, leur vie. Ils se sont dit non, qu'ils ne peuvent pas travailler pour avoir ce genre de montant, donc ils passent par la petite porte. Vite fait, quoi. Mais c'est honteux, quoi. Après, ils sont assis, ils pleurent avec dans leur heure, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. En tant que moi, j'ai envie d'être en paix avec mon âme. Parce que tu t'imagines, quand ton âme fait des histoires avec toi, c'est dangereux. Hein. Ah, ça n'a rien à voir pour forme là. Mais ces gars, t'as dit quoi? C'était au Tchad, non, Niger? Au Tchad. Ça t'a pas fermé les portes là-bas quand tu l'as si, refusé? Si. Ah, si. Ça t'a fermé les portes? Oui, bien sûr, parce que c'était le promoteur, c'était en question. Et après, il a verrouillé toutes les dates là-bas. Ah, donc il y a des promoteurs de spectacle qui proposent comme ça aux artistes de venir chanter, mais en fait, derrière, après, c'est une proposition. Voilà, ils font les sapins. Ils se disent que tu es dans la merde déjà. Donc, si tu acceptes pas, ils te mettent dans la merde et tout, et tout, et tout. Tu vois un peu? Et il nous a laissé dans la maison, il est parti, on a fait plus de 3 mois au Tchad, tu comprends? Et puis en ce moment, il y avait la crise. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme ça dans le coupé décalé concernant ce genre de système où le promoteur t'invite et puis après, il te fait une proposition pour coucher avec toi. Anna Mona, tu as entendu parler de ça?
Bien sûr, mais je veux dire, il a été fort quand même. Vous êtes resté 3 mois là-bas. Oui, on l'a fait. Il a fermé toutes les portes. Tu n'as pas cédé. Comme j'avais déjà fait 2 ou 3 spectacles, donc j'avais un peu de pécule avec lequel on vivait et tout. Mm-hmm. Mais c'est quand l'argent a commencé à diminuer qu'on s'est rendu compte qu'on est loin de notre pays. Tu vois ce que je veux dire ? On est sorti par la petite porte, on a pris des motos pour aller au Cameroun. Waouh ! Ouais, pour aller au Cameroun. C'est du Cameroun, on est allé à Douala, les Chinois y ont que. Mm-hmm. La situation, on a eu quelques trucs à faire, vite faire, on a eu un peu d'argent. Okay. C'est là qu'on s'est repris, maintenant sur le Bénin. Waouh ! Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là que j'appelle Mathieu, que j'explique mon problème, il m'a dit bon, écoute. Moi, je veux que tu viennes rester un peu ici, mais va à Abidjan, va faire un titre, et puis tu viens mm-hmm. faire la promo de celle-ci. Donc, c'est pour ça que je rentre à Abidjan. Mm-hmm. Un mois après, étant mm-hmm. resté à Cotonou, un mois après, il m'a logé tout, tout doux. Puis, je suis rentré à Abidjan, j'ai fait le titre comme il a demandé, puis je suis revenu, resté un an là. Ouais. Dans un an, je vais à la navette. Entre Abidjan. En un mot, la légende, c'est pas quelqu'un qui est envieux, c'est pas un rêveur. Non, parce que c'était un petit rêveur de coupé décalé, il allait prendre 30 millions et puis il allait s'allonger. Tranquillement. Pas forcément un petit rêveur, il y a des grands rêveurs aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a des grands. Moi, je suis pas envieux, je suis vraiment pas envieux. Voilà. Moi, j'aime bien ta chanson, Tout est permis, c'est un feat avec Omori. Zachary. On touche à tout, c'est ça, non? Ouais, faut toucher partout. Faut toucher partout. Si même les parties intimes des filles, on peut toucher. L'esprit de moi, ma chanson. C'était dire à la population, dire aux fans, aux gens, que tu peux toucher partout. Tu peux toucher partout, dans tout secteur d'activité. Non, tu peux toucher à tout. Non. Mais tu peux toucher partout. Mais quand tu dis tu peux toucher partout, là. Maintenant, parce que dans les clips, on voit des filles. Bon, enfin, tu touches partout. Et puis, il y a la gestuelle. Il y a la gestuelle. Quand tu entends les chanteurs, tu vois, tu fais. Non, nous, on voit aussi. Je dis, du moment où je suis en studio, avec un gars qui s'appelle Mola, qui est bizarre. En quoi il est bizarre? Il est bizarre parce que c'est lui qui aime chanter ce genre de trucs là. C'est Mori qui aime chanter les chansons bizarres. Les trucs où on parle de toucher, à faire du machin comme ça. Donc du coup, si tu veux, c'est lui qui a changé la donne de mon morceau en fait. Non, tu vois. Et toi, tu as accepté? Ouais, mais puis c'est doux. Donc il y a ça. Qui dit rien qu'on sent? Où m'a défalé? Bon, enfin. C'est que si le truc est sorti, c'est bon. Moi, j'ai aimé, j'ai apprécié. C'est lui qui a pratiquement tout fait, c'est lui qui a changé carrément la donne du truc et tout. Mmh. Donc voilà. Moi j'aime bien le clip, j'aime bien les tests aussi. Oui, Défalé. Donc la légende. Et là aujourd'hui, tu viens avec l'homme fort. Ouais. Comment se comporte le titre sur le marché? On voit le clip et tout, super. Comment se comporte le titre? Je remercie déjà la Ivoire TV qui me bombarde et tout. Donc voilà. Anaconda aussi qui joue aussi assez souvent aussi à la radio. À la radio, ouais. Par contre, le clip. Légende et clip l'homme fort, tu t'habilles super bien et tu t'habilles très BCBG. Mm-hmm. Ces vêtements-là, c'est ton ex qui les a achetés pour toi, Emma Dobré? Ah! Les vêtements, si c'est mon ex qui m'a acheté les vêtements. Comment son ex? Ils sont plus ensemble? C'est la conguidisme, non? Mm-hmm. Donc quand tu produis un artiste qui va faire son clip, tu l'habilles, non? D'accord. Donc tout ce que tu portes, BCBG, bon, chez mon genre, les habits de luxe, ça, c'est Emma Dobré, ton ex qui a acheté. Oui, c'est elle qui a acheté. Mais comment son ex? Comment ils sont son ex? Ils sont traumatisés. Mais ça, ils sont plus ensemble. C'est lui qui est en train de m'informer. C'est lui qui est en train de m'informer. Donc, il y a une semaine, on était Emma Dobré ici hors plateau. Elle nous a dit que vous n'êtes plus ensemble. Ah, d'accord. Bah, moi, je n'ai pas voulu débattre avec elle parce que c'est votre vie privée. Donc, d'accord. Donc là, je ne vais pas confirmer que. Ta femme a acheté tes vêtements de luxe. Non, donc, c'est pour ça qu'il est ton ex. Récemment, on a vu Saga Junior sur un poste d'Emma Dobré où elle parlait de kérosène. Mm-hmm. Et on a vu un commentaire de Saga Junior très virulent. Le commentaire disait quoi? Voilà, où il n'a pas apprécié. Mm-hmm. Il a dit que quand il s'agit de kérosène, elle est toujours première à faire des postes pour le défendre. Mm-hmm. Mais pendant que lui, on le traitait de gigolo, elle n'a jamais fait de poste pour le défendre. Et que ce n'est pas une bonne manière de traiter les artistes de son label. Quand on le traitait de gigolo, il sortait avec une femme qui a l'argent, mais toujours elle, la même. Elle. Donc lui, il s'est peiné que ce n'était pas bien qu'elle fasse ce genre de comment on appelle, qu'elle ait des préférences parmi les artistes de son label. Bon, pas là, Junior, le public a commencé à dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie quelque part? Il faut que tu nous répondes. D'accord. Bon. Je vais répondre à cette question-là. Et puis, je pense qu'après cette réponse-là, vous qui me suivez, ne me posez plus de questions concernant ce sujet-là. Écoutez-moi très bien. D'accord. Voilà. Je vais m'expliquer en bonne et due forme. Vous savez, moi, je suis un intellectuel. Voilà. Ça veut dire, je suis quelqu'un de réfléchi. OK. Vous comprenez? Donc, si je me lève pour aller faire un tel post sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai réfléchi
aurait tombé. Je savais ce que je faisais. Ok. Quand tu prends un artiste et que tu le produis, il devient ta marchandise, n'est-ce pas? Normal. Bien sûr, oui. Tu le vends. Ouais. Qui peut accepter que son produit soit sali? Personne. Personne. Qui peut accepter que le produit sur lequel tu mets des millions comme investissement et que tu attends de retrouver cet argent, tu ne vas pas valoriser personne. L'image, en fait. L'image de ton produit est sale. On laisse à faire des relations. Ok. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a deux choses différentes. Voilà. Il y a la relation. Voilà, il y a la relation et puis il y a le travail. Et puis le business. Voilà. Okay. Donc, dans le business dans lequel tu es là, on laisse côté relation. Mm-hmm. Le produit que tu mets sur le marché, ça fait 3 ans qu'il fait sortir des titres et tout. Et tout. Des singles. Ça ne décolle pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et le produit en question vient voir le producteur pour lui dire, je ne suis pas d'accord avec l'appellation qu'on me donne. Parce que je sens que je ne suis pas respecté. Tu comprends? Ça joue sur ton ça image. Ça joue sur mon image. Ok, voilà. Et okay. Sur ta carrière. C'est ma carrière. Ouais. Ah, c'est quoi? Travail. Oui, quand au boulot. Ça joue sur ma carrière. Et donc, je pense que comme c'est toi qui mets l'argent sur moi, tu as habilité à me blanchir. Bien sûr, oui. Tu as habilité. Parce que cette polémique, c'est de toi qu'on dit. On dit de toi que je suis ton gigolo. Voilà. C'est voilà, parce que je suis avec toi aujourd'hui. Oui, oui. Voilà comment on m'appelle dehors. Voilà. Et ça, ça agit sur moi, ma carrière. Mais figure-toi que je fais des titres. Et puis, ça ne bouge pas comme je veux. Je suis tout le temps à la maison. C'est les soirs que je sors, je fais mes petites promos et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que mon truc ne décolle pas. Donc, ça veut dire que je suis plus anxieux par rapport à ma carrière. Ouais. Tu comprends, non? Mais si ça décollait là, si ça marchait là, les appels des gens, moi, ils m'en foutent. Bien sûr, oui. Si j'ai pas le temps, que je suis tout le temps en train de voyager, pour me dire non, les gigolos, mais les gigolos, quand ils gagnent de l'argent. Mais je ne gagne pas d'argent par rapport à ce que je fais comme boulot. Et puis, on m'insulte encore pour mettre dessus. Ça ne me plaît pas. Donc, dans les coulisses, je lui dis, essaie de laver mon image. On a vu ici, aujourd'hui avec l'homme Saga et Baba Misala que je prends comme exemple. Il a lavé l'image de sa copine. Bien sûr. Aujourd'hui, là, même elle-même, là, elle met ses crosses tout l'état. C'est-à-dire qu'on ne se moque plus d'elle comme avant. Elle passe en boucle sur la chaîne, elle a ses petits gombos. Il a lavé l'image de son artiste. Tu comprends? En plus d'être producteur, c'est sa femme. Tu comprends? Maintenant, si je te dis ça une fois, deux fois, trois fois que tu ne réagis pas, peut-être que ça te plaît. Comme la situation te plaît. Voilà, comme le voir comme ça. Mais attends, moi, ça ne m'arrange pas. Ok. Tu comprends? Ben, c'est moi qui suis toujours dehors, par-ci, par-là, et puis j'entends des petites paroles, des petites frustrations, dehors, des par des gens, parce qu'on se dit que je suis un bon à rien. Mais ça te coûte quoi de laver l'image de ton artiste? C'est tout ce que j'ai demandé. Qui est en même temps, ton conjoint. Ton conjoint. Qu'est-ce que ça peut bien t'enlever de le faire? Si je ne t'ai pas demandé, tu peux dire ok. Ouais. Mais si je te demande, c'est que c'est parce que je veux que tu fasses. Ok. Je te donne un exemple. Une fois au bar, il y a eu Eskeli qui est venu foutre la mère. La mère au bar là-bas. Où il insultait publiquement, elle, devant tout le monde. Mais j'ai pris le micro dans sa main, je l'ai insulté, il l'ai chassé de la boîte. Il restait un peu, j'allais lui porter main. Mais demande-lui ce jour-là comment elle s'est sentie. Elle était contente de voir son homme. En train de prendre sa défense. C'est ça en fait le truc. Ouais. Tu comprends? Donc moi ça me fait plaisir de voir ma compagne en train de prendre ma défense pour dire aux gens que le gars de qui vous parlez là, il n'est pas ce que vous dites là. Et puis en plus, ce n'est pas vrai. Ouais. Mais comment tu peux accepter qu'on donne une fausse impression à ton artiste et puis il se promène à ça pendant la vie? Et toi, tu nous, n'en parles pas. Mais nous l'avons reçu sur le plateau, puis, on lui a posé cette question. Mm-hmm. C'est moi qui lui ai posé la question. Saga Juno, il se sent gêné par rapport à toutes ces situations. Qu'est-ce que tu fais pour répondre à cela? Elle m'a répondu sur le plateau, oui, effectivement. Et Saga Juno n'est pas un gigolo. Mm-hmm. Il fait sa part dans notre relation. Et il y a le côté travail. Mm-hmm. Okay. Mais au jour d'aujourd'hui, comme tu as dit, tu sais, nous sommes là aussi, on a aussi l'écoute, aussi les yeux des internautes. Justement. Quand ta réaction est apparue sur la toile, mm-hmm. les internautes automatiquement. Eux, ils sont braqués pour dire que tu es jaloux de Kérosène. Donc, j'arrive à ce niveau-là. Voilà. En fait, il fallait que j'explique comment ça s'est passé. De l'intenant et de l'aboutissement. Ce qui m'a fait aller mettre ça là-bas. Là-bas, ok. Tu as agi comme un homme. Tu n'es pas resté dans ton silence. Tu as fait la remarque. Justement. À ta conjointe, qui est une bonne chose. Mm-hmm. Mais peut-être qu'elle n'est plus amoureuse de toi. Bon, peut-être que toi-même, tu viens de me dire qu'elle t'a dit qu'on n'est plus ensemble. Oui, bon, oui. Tu m'annonces. Donc, il n'y a pas de problème. Je comprends. Donc, le truc, il est simple. Quand je dors, je me réveille, je vois un poste. Suis le nom du label. C'est qui gère le label? C'est elle. C'est elle. Donc, s'il y a un poste qui va sur la page du label, c'est qu'elle sait
Voilà. C'est qu'elle est informée. C'est qu'elle est informée. Okay. Il y a rien qui peut se faire sans qu'elle soit au courant. D'accord. Donc quand je me lève, je vois, ça me choque. Il y a de quoi, oui. Voilà, parce que j'ai dit, ah, une petite altercation que Kevin a eue sur le fait qu'il il a dit des Bordeaux et tout, puis dit le roi a récupéré. Mm-hmm. Voilà, un poste pour le défendre, automatiquement. Il y a eu une intervention, une fois il est allé au Cameroun, il y a eu des trucs là-bas, ils ont fait un poste pour le défendre. Il y a eu même un petit truc avec l'artiste Idos B, où il y a eu des petites applications, il y a eu des postes pour le défendre. Oui, tu vois un peu, non? Okay. Donc moi, à mon tour, on me défend. Non. Donc, j'ai dit, bon, je vais mettre le commentaire là-bas. Voilà. Ah, c'est un. Hmm? C'est la elle que je suis en train de dire la vérité. Hmm? Maintenant, par derrière, je sais que les pages vont récupérer. Okay. Hmm? Pour balancer. Et ça me fait un petit truc par rapport à mon nouveau son qui est sorti, qui, depuis qu'il est en train de tâtonner. Ça, je lui ai dit. Tu comprends? Donc, quand j'ai fini de mettre le commentaire, pap, ça m'appelle. Donc, elle aussi, elle m'appelle. Donc, les gens m'appellent, et puis après, elle aussi, elle m'appelle. Elle me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ce poste-là. Je lui ai fait comprendre que ce poste que j'ai fait là, c'est pas quelque chose de nouveau entre toi et moi. Tu sais, pourquoi là, j'ai fait ça. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait ça. Mais en même temps, j'ai fait ça parce que je sais qu'il n'est pas bon de récupérer tout. Donc, quand c'est comme ça, là, tu me comprends? C'est que j'ai dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Toi, je disais que c'est vrai. Parce que toi et moi, on a parlé. Tu comprends? Maintenant, par derrière, j'ai fait exprès parce que je savais que les pages allaient récupérer. Donc, quand ton analyste te dit ça, et que les pages vont récupérer par rapport au buzz, puisque le son est depuis sa boucle, tu dois comprendre que c'est un buzz qu'il veut. Okay. Tu comprends? Donc, tu me soutiens dans ce feeling. Mm-hmm. On va ensemble. Mais apparemment, c'était la mauvaise des manières. Ça n'a pas été apprécié comme il se doit. Donc, on m'a laissé seul dans mon truc. Le truc a tourné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, ça n'a pas eu de suite. Parce que quand on fait un buzz, quand on appelle une personne, quand on appelle une personne, il faut que chacun parle. Tu vois, quand on appelle l'autre côté, que l'autre ne répond pas, ça meurt. Moi, je te connais en tant qu'un battant. Depuis ton arrivée, on se voyait certaines personnes. On ne va pas donner le nom, tu es un battant. Mm-hmm. Mais comment était ta vie avant ta rencontre avec Emma Dobré? J'étais tranquille. J'étais tranquille, non? J'étais tranquille, je n'avais aucun problème, j'avais aucune appellation. J'étais tranquille, elle m'a vu. Ouais. Voilà. Tu vois ça? Mm-hmm. Sans oublier que les charges de la maison, tu participes ou même tu participes bien pas? Bien sûr que si. Quel homme qui peut vivre dans une maison qui va participer à des charges? Tu vois? Et ça, elle me connaît pour ça. Et tu payais les loyers? Bien sûr. Ah, je sais. Moi, j'ai les informations. Bien sûr. Pendant des mois et des mois, c'était que tu payais le loyer à la maison là-bas. Bien sûr. Les gens sont là qui les gigolaient, l'assistaient. Oui, il fallait. Donc, voilà. Et sur ce plan-là, vraiment, Anaconda, comme on le dit si bien, nous, on est aussi là pour corroborer les œufs et pour vraiment qu'il y ait une entente. Nous connaissons Emma, nous connaissons Saga Junior. Mm-hmm. Nous avons aussi Emma ici aussi. Elle est toujours dans ce projet Les Étoiles, qu'elle fait en ce moment et tout, pour détection des talents et tout ça. Alors, Saga Junior, mais au-delà de tout ça, au-delà de ça, est-ce que stratégiquement, par rapport à ta promo, par rapport à ta communication, est-ce qu'il ne manque pas certaines choses aussi au niveau de la stratégie? Parce que tu connais le game, tu sais comment ça se passe. Hein? Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'élaboration de stratégie? Parce que au-delà de ta productique, c'est vrai, elle produit, mais est-ce que vous corroborez vraiment, vous élaborez vraiment des stratégies? Bon, moi, franchement, vous savez, moi, j'ai un petit problème. C'est que je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir parce que je me dis que c'est des choses qui, après, vont te rattraper. Voilà. Ouais. Moi, mon seul problème, c'est ma vie qui est liée à ma carrière. Ouais, c'est les deux choses. Voilà, c'est trop lié. Ça veut dire quoi? Quand on a des projets, par rapport, comme tu viens de dire, et qu'il y a un petit problème à la maison, ça ne se fait plus. Non, mais ça ne se fait pas avec le cœur. Ça va impacter. Ça impacte forcément et puis ça ne peut pas aller. Quand tout est rose, tout va aller pour le mieux. Ouais, si on doit affilier nos différents au travail, ça ne va jamais décoller. C'est clair. D'où mes problèmes avec mes différents sons qui sont sortis et tout. Voilà. Moi, je comprends bien. Voilà. Mais aujourd'hui, tu te sens toujours heureux avec Emma Dobré? Je me sens quoi? Heureux. Tu es à l'aise avec elle toujours? Je suis tranquille. Moi, franchement, moi, je n'ai pas de problème. Mm-hmm. J'ai crié mon ras-le-bol, n'en plaise ou n'en déplaise à qui que ce soit. Je n'ai pas fait entendre. Voilà, je me suis fait entendre. Je n'ai pas avant de juste, vu que vos problèmes de personnes jouent un peu sur ta carrière, tu vois. Mais bon, je me dis que peut-être que c'était un passage obligé. Donc, il fallait passer par là pour comprendre beaucoup de choses. Mm-hmm. Sinon, ça, moi, cette situation, moi, je n'ai jamais vécu ça. Tu n'as jamais vécu ça? Non, en fait, il n'a jamais expérimenté pour savoir. Voilà, j'ai jamais vécu ça. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, que les gens ont dit que c'est de la jalousie, par mon poste et tout. Mais un homme, c'est normal qu'il soit jaloux. C'est normal si tu l'aimes, tu dois être jaloux. Si, jaloux. Ça fait quoi?
C'est un sentiment naturel. Voilà, c'est un sentiment. Et puis, je ne suis pas jaloux de kérosène. Hein. Non. Je suis jaloux de l'affection qu'elle lui porte. Le traitement. Le traitement qu'elle lui porte par rapport à moi. Toi, l'artiste. Okay. Voilà. Et en même temps, son nom. C'est côté musique, hein, ça n'a rien à voir avec les relations. Parce qu'on va dire, on va bondir, c'est pas lui qui dort elle. Donc, pourquoi il me fatigue? Pourquoi il est jaloux de côté relation? Non. Pas du tout. Je parle de côté travail, dans le boulot, là. Le travail, nous deux, là. Comment elle le profite, comment elle me prend? Attends, le truc c'est quoi? Un manque de professionnalisme ou bien? Non, c'est pas ça. Dans les labels, en général, ça existe. Anaconda. Généralement, dans les labels, quand il y a plus d'artistes, il y a souvent des favoritismes. Il y a souvent des choses comme ça. Et ah, celui qui mousse. Par moment, dans les labels, il y a tout, il y a des guéguerres. Ça, c'est rare quand même, des fallus. Moi, j'ai parlé, moi, je dis. Dans les labels aussi, tu sais, quand dans le label, là, souvent, tu peux te plaindre que ton producteur traite mieux un artiste que toi. Ça existe. Mais les gars, peut-être qu'ils mettent plus de moyens sur l'autre que toi. On a voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Mais tu l'aimes toujours, tu aimes toujours. Je ne sais pas, je ne sais pas. Elle t'a dit qu'on n'est plus ensemble, tu me demandes si elle l'aime. Pourquoi Fafa lui demande à elle-même si elle l'aime aussi? Ah, d'accord, là. Ça a été d'abord. Ah. Et la gote a dit. On n'est plus ensemble. Mais attends, tu lui demandes si elle l'aime encore. Non, mais le truc, c'est que souvent, la gote dit que je ne l'aime plus, mais toi, tu es toujours franc. Il n'est pas que sur ton gars, c'est pour ça. Tu m'aimes plus, t'aimes plus. Aïe! Non! Mais attends, la légende, toi, tu es sûr que tu as aimé vraiment Emma Domré? Si tu ne m'aimes plus, je t'aime plus. Parce que c'est parce qu'on s'est aimé ou toi qui es fatigué là. C'est le même mot qui est fatigué là. Moi, je suis fatigué aussi. Wow. Voilà. Donc, c'est une affaire de deux ans, c'est fatigué. Voilà, mais c'est vrai, si à un moment, ça monte. Voilà. Tu descends, si tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Pourquoi il y a celui qui m'a dit l'amour de quelqu'un? Non, je ne peux pas. Non, moi, je t'admets, tu es très véridique. Tout homme doit se comporter comme ça envers une femme. Pourquoi tout homme? Oui! Faut jamais se laisser dominer par une femme. C'est pas une domination, faut t'attendre. Non, mon cher, laisse tes trucs là. Laisse ça. Chacun la légende, on t'a jamais vu en clash. Toi, t'es quelqu'un de sans histoire. Hein. Les histoires de clash, de coupé, décalé, brûlé. Oui, mais toi, j'ai essayé, même, c'est pas parce qu'il y a pas. Tu n'es pas un homme en clash. Moi-même, j'ai mon propre label que j'ai essayé pour qu'on puisse faire quelque chose, c'est pas parce qu'il y a pas. Bon, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Tu vois qu'on le sait, quelqu'un de très jovial et tout. Sans façon. Voilà, sans façon. Voilà, j'ai entretenu les relations comme chez toi. Et ton nom, du coup, voilà quoi. Ouais. En tout cas, clash, non. À un moment donné, en s'inquiétant, on s'est dit que la mort de feu, Arafat, votre coupure de allait plonger, mais bon, ça n'a pas plongé. Hein. Non, ça n'a pas plongé. Ah, les gens vivent de ça, les gens vivent comment? Non, pas plongé. Ah, les gens vivent de ça, si ça plonge, c'est que les gens ont envie de chanter. Voilà, attends, c'est ça qui est le gagné de tout le monde, enfin, de notre corporation. La mort d'Arafat a enlevé quoi dans le coupure de Calais? C'est ce que tu as dit, la clash, là. C'est clash que ça a enlevé, sinon tout le monde chante toujours. Tout bien. Oui, voilà. On continue de chanter, on continue de faire notre truc, sinon c'est les clashs. Les clashs qui étaient faits pour rythmer. Voilà, les clashs. Pour rythmer le truc. Animer la toile. Pour animer, pour rythmer. Ce qu'ils faisaient, ils parlaient cru à tout le monde, sans faux fuyant et tout. Voilà. Et là, par exemple, le match des éléphants au JO tout à l'heure. Voilà, il allait prendre une baille, il allait le tuer. Il allait faire un son pour lui-même. Mais les gars des rap, ils arrivent un peu, ils disent que vous ne décollez plus. Bon, enfin, c'est le moment. C'est pas un concours. C'est pas un concours, nous ne sommes pas dans une compétition. Ouais. Voilà, le rap, ils vont en train de monter, c'est normal. Parce qu'à un moment, le public décolle, s'il est monté, c'est toujours comme ça, c'est une balance. C'est comme ça, il faut donner aussi la place à d'autres personnes aussi de se faire voir. Donc, si ils sont venus, mais qu'ils viennent. Voilà, on peut faire un concert quelque part, les rap, ils vont dans une ville, puis ils ne vont que des rap, ils vont toujours mettre des ingrédients pour couper les calais dedans pour panacher. Ça va. Voilà, c'est ensemble. Comme Défalé l'a toujours dit, rap, il voit, il s'inspire toujours de la sonorité du coupé des calais. Bien sûr, mais ils savent. Non, mais tu sais, le rap, il voit, c'est bien, les jeunes sont talentueux. Moi, je le dis tous les jours, hein, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils prennent un peu. Le rap, il voit, le rap, c'est américain. Ils ont mis voix dessus. Voilà, les autres rythmes, le zouglou, c'est pas américain, c'est ivoirien. Le coupé des calais, c'est pas américain, c'est ivoirien. Donc, c'est pas des choses à comparer, quoi. Moi, c'est ce que je me dis, quoi, parce que bon, faut comparer ce qui a la même histoire de naissance. C'est pas pareil. C'est pas la même naissance. Voilà, donc c'est un peu ça. Depuis ta carrière a commencé, il t'est pas arrivé un moment donné où tu voulais abandonner, arrêter la musique? Si, comme en ce moment. En ce moment-là? Oui. À cause de l'histoire de Kédé et Emma Dobré là? Non, ça n'a rien à voir. J'ai perdu beaucoup d'espoir à ce truc-là parce que je me dis que je ne mérite pas ça et puis ça ne devait pas se faire comme ça. Tu comprends? Donc en ce moment, je suis en train de vouloir relâcher. Parce que. Ah non, tu n'as pas fait ça. Si, je me dis que je suis en train de vouloir relâcher. Parce que si ça ne marche pas avec celui qui investit, qui met son argent là-dedans, on fait un travail nul et non avenu. Tu comprends? C'est pour mettre en tête de dépenser l'argent et l'énergie pour rien. Pour rien. Donc moi j'ai envie de me retirer. Parce que ce que je constate, quand je t'entends parler, pour toi, au vu de vos relations,
et au vu du côté production, pour toi, il y a un truc qui ne va pas. Mm-hmm. Ça, c'est deux choses différentes, mais en même temps, ce qui fait partie de vos vies en même temps. Mm-hmm, mm-hmm. Voilà, donc c'est un peu difficile d'en parler. J'en parlais à savoir pourquoi, parce que c'est dans le coup. Ça va se répercuter sur le truc, mais elle-même, elle vous a dit ça ici, que elle, je sais un peu l'émission, elle a dit qu'elle elle a un caractère d'homme. Tu comprends? Mm-hmm. Elle est dominatrice. Voilà, mais dominatrice, rien qu'à faire, dorme en même temps aussi. Elle gère beaucoup d'activités, elle gère ses trucs et tout. Donc, du coup, ça se répercute un peu sur la maison. Bon, en tant que moi, étant aussi à la maison, je ne peux pas accepter certaines choses, c'est pas possible. C'est toi l'homme. Voilà. Donc, si jamais, dorénavant, on essaie de savoir faire la part, la part des choses, juste ça, je pense que ça peut aller. Mais tant que la part des choses n'a pas encore été faite pour de vrai, ça se passe dans la tête. Oui. Ça va pas décoller. Oh. Donc c'est pas la peine qu'on se fatigue. Mmh. Voilà, c'est pas la peine qu'on se fatigue. Mais est-ce que vous pouvez pas trouver une formule, un terrain d'entente, une manière de corroborer les deux choses pour que tout puisse aller véritablement? Surtout pour sa carrière. Surtout pour ta carrière. Parce que c'est nous, au-delà de ta carrière artistique, tu es un frère, tu sais. Tu connais nos rapports. Ce que nous souhaitons, c'est aussi ton bien, et tu vois. Et on voit que, bon, mine de rien, ça fait quand même des années que vous êtes restés. 5 ans, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 semaines, tu vois. Vous formez un très beau couple. Et c'est bien de voir, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec leurs femmes. Hein? C'est hein, Anaconda. Voilà, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec leurs femmes. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec leurs femmes, mais toutes les femmes n'ont pas le même caractère. Ouais. Donc, voilà. Ah, ok. Ouais. Bon, on va dire, ouais. Ok, le travail et le caractère. Mm-hmm. C'est les deux choses. Voilà. Ok, ok. Devant ces trois caméras-là, si on te disait de dire quelque chose à Emma Dobrila, là, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que tout le monde va regarder l'émission, ceux qui vont sous la toile pour dire des choses qui ne sont pas vraies là. Essaye de dire quelque chose à Emma Dobrila, ce que tu n'aimes pas là. Non, ce que je n'aime pas, c'est. Non, ce que je peux lui dire devant ces caméras-là, c'est bonne chance quoi, pour la suite. Voilà, avec son artiste, voilà, que tout ce qu'ils entreprennent marche pour de vrai. Bonne chance à ces événements qu'elle fait et tout. Et que son label devient encore plus grand. Donc voilà. Mais tu te mets en dehors de ça. Moi? Mais je te dis que j'ai envie de me retirer, que j'ai plus envie de continuer. Je n'ai pas envie de m'amuser. En train de m'amuser. Voilà. Ah, ça c'est une émission spéciale. Aussi, hein? En même temps aussi, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, ça va faire du bien à tout le monde. Il n'y aura plus des scènes de jalousie. Il n'y aura pas à faire de genre, tu entretiens l'autre mieux que moi. Donc voilà, moi aussi je quitte dans ce truc-là. Elle est tranquille. Elle aura son artiste qu'elle adore. Eh ben, c'est avec lui. Donc là, tu es venu aujourd'hui spécialement pour porter un message à en direct comme ça dans le Fafa. Oui. C'est fort, hein, ce que tu as dit. Non, il est venu dans l'émission même pour mettre fin à nos relations et en même temps mettre fin à nos collaborations avec le label. Emma Dove Prod. Waouh. Vous dites quoi même? On est étonné, on ne sait pas, on ne comprend plus. Bon, attends, la légende. Donc, toi, tu es venu aujourd'hui, tu es venu à la maison là. Mm-hmm. Nous, on t'a invité dans une émission aujourd'hui. Pas vraiment, ma tête chauffe mes mêmes coups, mais je ne comprends pas. Bon, dames et messieurs, écoutez. La légende dit que lui, il est venu non seulement pour souhaiter bon vent à Emma Dobré, bon vent à ses trucs, bon vent à tout ce qu'elle a été fait. Et Anaconda lui demande, mais tu parles et puis tu t'écartes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je suis venu vous dire que moi-même, je cherche à me retirer. Je vais arrêter tout. Non, mais c'est pas si lui, tu t'as venu faire ça. Pourquoi tu ne vas pas aller là-haut? C'est vous qui m'avez invité. Si, comment on appelle, les idées ont été nourries il y a quelques jours et que vous m'invitez par la suite, c'est à vous, j'ai dit, je vous donne l'exclusivité de l'information. Là, je suis d'accord. Non, bon, ouais. Moi, c'est bon. En tout cas, t'es d'accord. Mais moi, je suis pas tout d'accord parce que moi, j'aime beaucoup le monsieur. Parce que moi, ici, j'aime pas. Parce que dans cette émission-là, l'émission avec Emma Dobré, moi, je parlais des bienfaits de Saga la Légende. J'ai dit, même Saga la Légende, c'est lui qui t'a offert le 4x4 4-matique de Mercedes, là. Elle m'a dit, Bon, ça, par contre, j'ai pas compris le là. Dans un couple, il faudrait qu'il y ait la complicité. Tu vois, tu peux répondre oui, c'est mon mari qui m'a donné, même si dans le fond, c'est pas lui. Mm-hmm. Voilà, mais non, elle a dit non. Elle a dit oui. Elle a pas dit à la fois, tu as pu, tu as allongé. Ah, mon cher, l'émission, nous tous, on a regardé l'émission. Ouais, voilà. Ah bon. Okay. En fait, tu sais quoi? Non. Moi, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis un gars, moi, je ne sais pas mentir. Ouais. Voilà. Moi, je pense que je ne suis pas en train de la juger. Tu vois, non, je ne suis pas en train de dire des contre-vérités. Moi, tout ce que je dis, elle a eu une lucarne hein, bien appropriée bien sûr, pour oui. essayer de laver l'image de son copain que je suis, même que j'étais. Tu comprends? Et vous l'avez posé des questions et elle a répondu. Mais dans ses réponses, je n'ai pas senti
je n'ai pas senti. Je comprends ce que tu dis. Voilà. Moi-même, je n'ai pas senti. Voilà, je n'ai pas senti la dame qui parle de son copain. Ni de son artiste. Ni de son artiste. Tu vois. Mais quand il y a des questions qui vont sur l'autre, elle est plus épanouie, elle est plus ouverte, elle dit des choses. Tu comprends? Mais moi, c'est un peu tout. Tu comprends? Donc, du coup, je me dis, mais on se fatigue pour rien. Tu comprends? On est en train de se faire du mal. Donc, automatiquement, toi, quand tu regardes ça, c'est ce que tu perçois. C'est ce que je perçois. Parce que moi. Mais est-ce que tu l'appelles? Moi, est-ce que tu as mal avec elle après directement? Moi, je ne peux pas. Non, tu sais. Dévaler. D'abord, il faut qu'on soit. On soit direct. Moi, je ne peux pas être sur un plateau de télé. Et puis, je sors avec une fille que je produis et que je ne vais pas la prendre pour la mettre en haut. Même si c'est ma copine et qu'à la maison, il y a un problème. Jamais de la vie, je ne le ferai. Tu comprends? La fille que moi, je produis, elle a des problèmes fréquemment à la maison. Et puis, je suis sur un plateau de télé en tant que producteur. On me pose une question. Ah, mais la fille que tu produis et que tu sors là. Que voilà. Je ne vais même pas douter, respirer avant de répondre à une question. Attends, je te coupe pas. Mais quand tu parles là, j'ai une impression. C'est parce qu'elle s'est dit que peut-être si tu pèses, tu as fui. On m'a dit ça hier. Je ne sais pas quand tu passes. On m'a dit ça hier. Si tu pèses, tu vas fuir. Bon, je t'explique. Moi, je te dis, je te fais une confidence. Moi, je me souviens en France. Au début du coupé décalé, je t'ai dit, la personne avec qui je vivais ne voulait pas qu'il pèse dans le coupé décalé. Parce qu'il y a des trous, et puis il pouvait fuir. Ouais. Donc quand tu parles, c'est ce que vous voyez ça. Est-ce que, bon, peut-être que par amour pour toi. Tu sais, non, attends, parlons un peu, parlons mieux. Regardons pas seulement que notre côté. D'accord. Nous sommes des hommes. D'accord. Okay? D'accord. On va s'entendre. Alors, est-ce que, peut-être que par amour pour toi, Emma Dobré ne veut pas trop que tu pèses, mais pas que tu fuis. Bon. Mais déjà, ce n'est pas un rêve. Si c'était un rêve, elle allait prendre 30 millions au Tchad, ou bien c'est pas où là. Non. Mais il n'a pas pris. Tu ne peux pas. Mais il peut, on ne sait jamais. Je vais répondre. Tu sais, les femmes, ce sont des femmes. Est-ce que, oui, tu ne peux pas investir de l'argent dans quelqu'un. Oui. Et puis, tu dis qu'il pèse. S'il pèse, il va fuir. Donc, tu dois mettre 1 million, tu dois mettre 1 million, tu mets 500 000. Tu vas te garder là. Voilà. C'est dit que tu as traité l'île. On appelle ça à qui mieux. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est toi qui dit à la personne, il faut rentrer en studio. Ouais. Oui. Parce que après deux ans, en 2017, 2018, je ne faisais rien. J'étais dans son monde que je gérais et tout. Ouais. Où c'est elle maintenant qui m'incite à venir à la musique. Elle maintenant tu es artiste. Tu comprends? Donc, comme je suis devenu productrice, par rapport à Kérosane et tout, donc, rentre en studio. Elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle a fait un an de tomber dans l'oreille. Ouais. Ok. Voilà. Parce que j'ai passé mon temps à gérer tous les petits contrats de kérosène, par-ci par-là, les tournées par-ci par-là, les petits voyages. On passait beaucoup par moi. Bien sûr. Et j'ai géré. Elle m'a dit non, que toi, tu es artiste aussi, tu as fait signer le contrat de ton ami. Pourquoi tu fais passer toi, tes propres contrats. Donc voilà que finalement, je finis par accepter. Je dis bon, je vais faire la légende. Ouais. Que je suis rentré. Donc tu peux pas insister comme ça et puis avoir peur que la personne perce. Oui, mais tu peux insister comme ça quand tu n'as pas encore vu que ça peut. Maintenant, après, tu peux avoir aussi d'autres idées qui viennent dans ta tête. Sinon, hier, quelqu'un qui m'a dit ça. Bon. Il m'a dit, mais peut-être que tu n'as pas envie aussi de te perdre. Même possible, ouais, comme ça, c'est possible. Il y a des manières. Peut-être qu'elle voit ton étoile, c'est une étoile qui est très forte, donc elle a peur. Mais enfin, bref, de toute façon, tu dis, tu es en train de te retirer là. Si tu te retires, il n'y a pas des choses qu'elle t'a données qu'elle va te réclamer. Exemple. Je ne sais pas, ça fait des femmes. Hein. Peut-être qu'elle t'a donné des bijoux, mais des vêtements. Arrêtez de rire. Mais les choses qu'on donne, on donne avec le cœur. Tu comprends? Oui, oui. On donne par amour, on donne avec le cœur. Oui, oui. Tu comprends? Donc, si après la séparation que tu viens récupérer, c'est que tu n'as jamais besoin avec amour. Mais est-ce que tu es prêt à redonner les affaires que tu as données? Je suppose que tu as donné des affaires. Ah, beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Parce que elle va faire des affaires. En fait, moi, je ne vais pas me comporter comme elle, en fait. Non, pas du tout. Voilà, parce qu'il y a les vêtements que je lui ai achetés aussi quelque part. Non, je ne fais pas comme elle. Si elle fait ça, moi, je ne fais pas comme elle. Mais moi, je dis que les trucs qu'on donne par amour ne se réclament pas après l'amour, quoi. Ah, il y a un gars qui vient un camion vider la maison. Ça dépend de la main dont on s'est parlé. Ça dépend de la main dont on s'est parlé. Il y a un gars qui vient bâcher, hein. Vide, mec, il balait tout.
Non, en tout cas, nous, franchement, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Parce que dans une relation, dans une collaboration, il y a des hauts et des bas. Mais à un moment donné, il faut avoir la force de surmonter, tourner la page et avancer. Sinon, par moment, la séparation, c'est retirer. Ce n'est pas forcément la solution. Mais à un moment donné, c'est la solution. Hein. Quoi que ce soit ce que je souhaite pour toi et Emma. Mais donnez-vous du temps, discutez. Échangez, parlez. Parce qu'on vous connaît tous les deux. Justement. Et on a reçu Emma aussi sur ce plateau. Avec grand plaisir, je pense que Emma essaie de voir, hein, discuter, échanger pour que vous puissiez vous comprendre parce que c'est ce que nous souhaitons pour vous, au-delà de la musique, au-delà de toutes choses. Alors, Saga Junior, je la pense légende, que la légende, oui, Saga Junior, la légende, pardon, la légende, voilà, la légende. Moi, j'aime beaucoup le titre L'homme fort parce que belle mélodie, bien chanté, tout ça. Surtout le clip, moi j'aime bien le clip. Le clip et tout, non, surtout même les paroles et la mélodie, les paroles sont bien, tu vois. Insiste sur la promo, fais la promo, tu vois. Après, bon, essayer de trouver un terrain d'entente et puis bon, pour que les choses puissent mieux se placer. Quoi. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc, Anaconda, bon, après, maintenant, si on doit l'arracher ses habits, bon. C'est pas compliqué. On sait jamais. On va venir dire que l'effetement est payé là, pardon, donne-moi la valise, tout ça là. Comme tu dis, tu t'es retiré là. Comme tu t'es retiré là. Tu as donné tous les habits. Alors, dames et messieurs, nous allons demander le mot de la fin de la légende. Et surtout, la légende. Ouais. Quel est ton mot? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'aiment, hein? Beaucoup de gens t'apprécient. Ouais, ça fait quand même un moment que tu es là. Il y a des jeunes surtout, des jeunes qui t'ont vu, qui t'ont apprécié, aujourd'hui qui voient un peu comment tu évolues. Mm-hmm. Quel conseil tu peux donner aux jeunes? Parce que je vois que tout à l'heure, on a parlé d'un truc. Tu as eu une proposition indécente. Mm-hmm. C'est-à-dire, un gamblet et ta! Pour les 30 clics, les 30 bâtons. Mm-hmm. Vraiment, bon, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans un milieu, beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de vices. Mm-hmm. Quel conseil tu peux donner à un jeune, par exemple, qui a envie de devenir une star aujourd'hui? Bon, tu as envie de devenir star, c'est d'avoir un, la tête sur les épaules, et puis de surtout persévérer, tu vois. Voilà, ce genre de problème qui arrive dans le milieu, voilà. Il y en a plusieurs, et sous différentes formes. Ça, souvent, tu vas en croiser. Ouais. Forcer, tu vas en croiser. Forcer. Parce que tout n'est pas rose. Ouais. Même ceux-mêmes qui sont en forme ont des problèmes. Ouais. Donc, il faut être fort, il faut avoir le mental. Et puis, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. C'est ce Dieu qui donne le succès. Voilà. Il ne faut pas te mettre dans d'autres pratiques, et puis après, ça va te rattraper. On voit comment ceux qui font ça ont fini et finissent. Donc, moi, je pense que la seule voie, c'est Dieu. Voilà. C'est lui celui qui donne le succès, c'est lui qui donne la gloire. Et la gloire lui revient. Amen. Donc beaucoup de sagesse. Ouais. Donc voilà, comme pour Corbeau, les mots de Saga Junior, à seul Dieu la gloire. Voilà. Le succès s'obtient par la grâce de Dieu. Dieu. Rien que par. À même aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui ont vu mon poste sur la toile que ce n'était pas quelque chose de méchant. Voilà, j'ai juste exprimé mes sentiments. Voilà. C'est mes sentiments, c'est que j'ai ressenti. Que j'ai transmis là-bas parce que j'ai parlé en bas, on m'a pas écouté, donc je vais mettre en haut, ils vont voir. Donc désolé si ça a choqué plus d'une personne, je ne suis pas comme ça, je n'expose pas mes trucs, donc si ça a choqué d'autres personnes, désolé. Donc voilà. Nous espérons que les choses vont entrer dans l'ordre et c'est notre souhait dans Fafa. Au-delà de ce que nous disons, on aimerait que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Donc nous avons reçu en ce jour la légende, sans oublier les questions autour du triangle d'Anaconda que je sais nous lui ont répété. Et voilà, c'est son mot de fin. Et écoutez, regardez le clip passe déjà sur Ivoire TV Musique, qui tourne en boucle avec de très belles mélodies que je vous conseille de suivre et regarder surtout. Alors, que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de toujours sortir couvert et en seul Dieu, nous devons croire. Big up à la marraine Mathilda Erika. Salutations à la grande famille. Bonjour. Monsieur Mori Kamara, à Jomé-Létrecheville. Merci à tous. Merci à mon binôme Anaconda. Platinium. Platinum. Alors, sans oublier les big up à tous ceux qui sont derrière la caméra. Soko de Genève, Santiago, le plus jeune des frères de sa génération. Je t'ai dit, les frères. Santiago, sans oublier Stéphane, au son, à l'arrière, Roland Le Menguis, Ivoire TV Musique, Ivoire FM. Que Dieu vous bénisse.